gens, c'est Draxurie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo sur Dying Light The Following. Alors, j'ai terminé la mission principale de notre cher jeu. Alors, aujourd'hui, petit live un peu particulier. Donc, aujourd'hui, on va faire ce que je n'aurais pas fait en live. Alors, tout bonnement, vu que nous avons terminé The Following en live, je sais pas trop quoi faire en live, donc dites-moi ce que vous voulez voir en live sur Twitch. Je sais que ça bug beaucoup, dites-moi si vous voulez que je retransfère sur YouTube. Pour ceux qui me suivent, dites-le moi, parce que clairement, même mon frère m'a dit que ça buguait. Et c'est vrai que moi je regarde jamais mes rediffs ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que avec OBS, bah, ça bug pas trop non plus pour moi de mon côté. Mais c'est vrai que si vous vous regardez et que ça bug, ça me dérange un peu. Donc dites-moi si vous voulez que je me retransfère sur YouTube. Comme ça, je referai des lives sur YouTube. Et tant que j'aurai pas un meilleur PC, je continuerai sur YouTube, parce que bon, YouTube, ça a quand même bugué moins apparemment. Donc aujourd'hui, on va faire donc une petite course. Donc on va se déplacer en véhicule jusqu'à la course principale. On va faire aussi un peu de zombies. Et sinon, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez vous avez quelque chose à me demander, n'hésitez pas à me le poser en question en commentaire. Ou sinon, si vous voulez qu'on discute un peu plus, mon Discord est en lien de description. Et mon Twitch est aussi en lien de description. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc on va se lancer. Donc on va récupérer la voiture. Et normalement on va foncer jusqu'à la plage. Normalement jusqu'à la plage qui se trouve vers la ville. Et si on a le temps, on fera le nid de rapace qui est là ou le nid qui est là. Ça dépend comment on gère le temps de jeu. Donc, je vais essayer de me dépêcher hein, pour pas non plus perdre trop de temps. Et j'ai déjà plus de balles, moi. Donc, il est quelle heure? 6h, c'est bon, il fait jour. Donc, c'est parti. Donc oui, alors j'ai terminé le jeu complet. J'ai terminé complètement le jeu. Échec. Ah, j'étais déjà en merde. Bon, bah tant pis. Donc voilà. Donc j'ai terminé le jeu. À voir pour plus tard si vous voulez autre chose, bien sûr. Surtout sur du zombie, des trucs comme ça, dites-le moi si vous voulez que je retourne sur du BO ou des trucs comme ça. Ça pourrait être sympa, mais c'est vrai que là je suis un peu à court d'idées. Alors attendez, je suis paumé. Alors bien sûr j'ai un point, ça peut toujours être pratique. Mécanique. Bricoleur. On va mettre le pare-buffet renforcé. Essayer de... Bah oui, je suis pas loin de la... Je suis pas loin de la ville, de la petite ville. Alors là... ma carte. Ok, faut que je... chemin. Milan, je suis à la pizzeria. Je fais quoi? Faire le plein. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, c'est renforcé au pic de... Ok,
Donc 3 minutes facile, récompense, ok. Pièce de moteur niveau 3, ouais. Faut dire que... je suis quand même déjà en légendaire. Alors, le truc c'est qu'on voit pas grand chose. Ça glisse. Oh là là, c'est un truc à faire vomir ça. C'est par où, c'est par où, c'est par où? Allez, allez! Oh, voiture de merde! J'aurais pu suivre le chemin, non, passe par au-dessus du con. Et, il faut que j'améliore la nitro aussi, ce qui pourrait être pas mal. C'est assez facile tout compte fait. Bon, à part quand on connaît pas la zone, c'est sûr que c'est pas si facile que ça. Mais c'est vrai que c'est plutôt pratique. C'est vrai que j'ai pas changé mon inventaire depuis que j'ai fini le jeu. Hop. Alors, qu'est-ce que t'as à me dire? Pas mal du tout, je dois avouer. Tu connais d'autres circuits? Tu parles que j'en connais. T'as qu'à guetter ces affiches. Il y en a une au départ de chacun des circuits. Je les ai tous remportés. Fais-moi signe quand t'en trouves un. Je m'occuperai du chrono. Tu vas devenir un vrai champion en un rien de temps. Et pour te récompenser de m'avoir battu, je vais repeindre ta caisse. Elle en a bien besoin, hein, tu trouves pas? Ok, d'accord. Ah, chaque course, on gagne un truc. Affiche course bilan, quand chaque affichage récompense à définir, hein, donnant une expérience de pilote, d'autres récompenses soient terminées jusqu'à 4 joueurs peuvent y participer. Ça, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. C'est plutôt sympa, même. C'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Après, c'est vrai que... c'est vrai que... alors attendez. Personnaliser. Ok, donc on voit à peu près ce qu'on a en amélioration. N'empêche là, avec cette amélioration là, c'est plutôt pas mal. Ah, écoutez, on va faire une autre course. Donc, celle-là, c'est fait. Est-ce qu'il n'y en aurait pas une autre défi course?
Je pense que ça s'enlève. Je pense que ça s'enlève parce que là, il y en a une. Défi course, mais elle est de l'autre côté. Donc là. Tu roules vite, tu évites les ennemis et tu vas jusqu'au bout. C'est simple, non? Ah, faut éviter les ennemis. Oula. Faut que je rapproche la voiture, j'imagine. Atteindre la ligne d'arrivée aussi vite que possible. 2, 1. Intermédiaire, ok. Pièce de moteur violette. Niveau 4. C'est vrai que ça change un peu. Hein. Plus de ça, ça nous fait gagner des récompenses de pilote. C'est vrai que ça peut être. C'est plutôt pratique, à vrai dire. Alors j'imagine que ça va peut varier de facile, intermédiaire et très difficile, j'imagine. Ok, alors là je suis parti en cacahuète. Bon, le truc, c'est que moi, j'ai déjà un moteur assez assez puissant avec la mission principale, on a fait beaucoup de routes. À vomir tout ça. Tu savais même pas qu'on pouvait rouler sur la botte de paille. Oh d'accord, un arbre. J'ai pas perdu grand chose. On peut pas recommencer? Ah si, on peut recommencer, ok. Le truc c'est que je me suis cuté. Alors déjà faut que j'améliore ma nitro, ce qui est sûr. Ok, ça m'a freiné. Ça m'a enlevé mon pare-buff, j'ai l'impression, par contre. C'est très sympa, c'est vrai que ça peut être pas mal à 4. Pour s'amuser entre potes, ça peut être sympa. Ça vous change un peu des jeux de voiture autres. Plus de nitro, ouais, ça ferait plaisir peut-être. Ça va que c'est un buggy, hein, parce que la punaise. J'ai horreur de passer dans les arbres, c'est ouf.
impeccable. Bon, je me suis un peu cuté sur certaines zones, mais plutôt pas mal. Mais normalement, je peux normalement mettre un moteur un peu mieux. Ah ouais, mais... Ok. Alors, attendez. Faut que je vire des trucs. Surtout le moteur niveau 5, là, qui me servira à rien. Je vais tout déposer là. Puis je vais démolir les moteurs autres. Voilà. Donc bon, ça c'était plutôt cool. Deux missions, voilà, deux missions plutôt pas mal. Après, vous avez d'autres trucs. Utilisez le feu d'artifice pour lancer-les sur les hordes de non-morts. Recevrez des récompenses spéciales. Ok, et ça c'est tuer. Ouais, bon, bah ça. Donc, on va s'attaquer à un hydrorapace. Donc, on va aller faire à celui qui est le plus loin. Parce que je suis en train de remarquer que, vu qu'il est loin, j'ai pas envie de faire des heures et des heures. Donc, on va partir. Faut que je reparte en direction de machin. Donc, bon, ça c'est pas trop difficile. Donc je pense qu'il y aura une petite ellipse. Donc ou pas. Non, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là parce que c'est vrai qu'on est déjà à 17 minutes de vidéo. En temps normal, ça aurait été un DLC que j'aurais dû vous faire. Mais voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce que vous voulez, vu que Dying Light, c'est vrai que je tourne un peu en rond. Je vais pas vous faire tous les DLC. Le jeu est sorti il y a un moment de ça. C'est vrai que voilà. Donc dites-moi ce que vous voulez voir. Si vous voulez que je fasse un peu plus souvent, que je continue sur du Dying Light. Mais le truc c'est qu'on a arrivé à un point où je ne peux plus rien faire à part m'améliorer. Mais il resterait peut-être à faire des trucs. À inviter des potes et à aider des potes en mission principale et puis en autre quoi. Mais le truc c'est que là, à part pour les véhicules, peut-être que quelques DLC, mais les DLC à part la prison que je vous ai déjà fait et je pense pas que j'en referai. Donc voilà, dites-moi en commentaire, clairement dites-le moi en commentaire, ça sera mieux. Et on se dit à la prochaine les gens, c'était Drake Survie. À ce soir pour un live sur, je crois même que c'est une sortie de Remastered. Alors je suis déjà allé voir et clairement mon opinion sera la même qu'en live. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer. Je pense que Remastered, clairement, c'est pas le mieux. Je préfère l'ancien. Donc je vous en parlerai en live. Donc n'hésitez pas à venir en live, à discuter. Et on se dit à la prochaine les gens, c'était Drake Survie.